L'œil de photographe, je pense que je l'ai eu via mon père, qui a. Je l'appelle souvent, hein, mais bon, quand t'es percé par la photo toute ta jeunesse, même si tu n'aimes pas la photo, parce qu'à un moment donné, entre 14 ans et X, ben, j'ai complètement arrêté la photo, enfin, 16 ans. J'ai 16 ans, j'ai arrêté la photo, puis j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, tout simplement. Et j'ai arrêté, pourquoi? Parce que ça me gavait. C'est-à-dire, tu vois, tous les jours, posé. Et puis, il y a 3 ans, ben, je vais dire, c'est un côté malheureux, mais bon, j'ai ma mère qui est tombée dans le coma. Et de là, ben, j'ai un peu été dans le. Je suis parti dans le noir, comme ça. Et de là, j'ai commencé à m'enfermer seul. Et là, j'ai commencé à. J'ai appelé mon père, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien faire des photos. Jack Daniels. Jack Daniels. No party with no Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Daniels. No party with. Et là maintenant je suis plus dans le clair. Dans la journée, d'ailleurs je fais presque plus de photos en studio non plus. J'aime bien être vraiment en plein jour et essayer d'aller capter des moments, des gens. C'est ce que je préfère d'ailleurs, hein, aller dans la rue, voir quelqu'un, lui parler. Je suis dans mon délire ce soir, pas d'équilibre. Jackie dans mon revêt, l'ambiance est carrée. Nobody with no Jack Daniels. Je mixe tous les soirs pour faire bouger ta tête. Baby girl, put your hands up, ce soir c'est la reggae. Et ben voilà, on verra bien où ça ramène. Hein. Maintenant, j'ai fait la Fashion Week, j'ai fait pas mal d'événements très sympas, surtout en Flandre. Donc maintenant, à Bruxelles, je fais plus mes événements à moi ou les apéros de mes amis. Je suis modèle depuis 2 ans, j'ai commencé avec Sébastien. On s'est directement bien entendu. Et voilà, maintenant je suis modèle, je suis rentrée dans une agence depuis quelques mois. Et on garde toujours contact, on s'entend super bien et on continue à faire des chouettes photoshootings. C'est avec lui que j'ai commencé et je pense que c'est super important pour moi de garder contact avec lui. C'est celui qui m'a fait avancer. Alors le but peut-être à un moment donné, quand j'aurai fait le tour de la mode, d'ici 2-3 ans, je pense que je vais aller dans les pays un peu plus à risque et aller faire des photos un peu plus... peut-être plus dures peut-être. Donc, plus, qui parleront plus aux gens, parce que c'est vrai que photographier un modèle fille ou garçon, c'est marrant un petit temps, mais au final, on se lasse. Et voilà, donc je me dis que ouais, le but final, enfin final ou pas, ben, c'est de continuer mes expositions. Et je vais terminer sur mes phrases. Donc, moi, je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a de la chance d'avoir réussi ou quoi. Personnellement, en tout cas, je dis non, la chance, on l'a pas. On crée cette chance et on y va. Je veux toutes les